résultats de cet atelier pour vous revenir. Un comité consultatif a lieu aussi tous les mois au niveau de la fonction publique et les enseignants, certains syndicalistes font partie de ce comité-là. Et donc le dernier a eu lieu le 17 octobre, le prochain aura lieu le 28 novembre et il est important de savoir que le premier point de l'ordre du jour porte sur la prime trimestrielle. Cela dit, nous soutenons cette prime parce que les enseignants font beaucoup pour notre pays. Ils ont besoin d'être dans de bonnes conditions pour travailler. Et cette prime est une prime d'incitation et de documentation. Voilà. Malheureusement, au niveau de la santé, ça n'a pas été la même chose. La grève n'a pas été suivie parce que nous sommes au pays des intimidations. Nous sommes au pays des menaces. Et le personnel de santé a cédé à ces menaces. Sachez, chers camarades, que si vous ne luttez pas pour vos droits, personne ne le fera à votre place. Et vous mettez en danger les syndicalistes du secteur. Parce que quand des syndicalistes, avec votre accord, lancent un mot d'ordre et que vous ne le suivez pas, vous les mettez en danger parce que dans notre pays, on réprime les manifestations. Vous avez déjà vu qu'il y a un de vos camarades syndicalistes qui est déjà victime de ces abus de l'administration. Donc vraiment, je voudrais vous exhorter à être soucieux de votre bien-être et à lutter vous-même pour votre cause, pour obtenir ce à quoi vous avez droit. Ne laissez pas tomber les responsables syndicaux en ayant peur. Si vous avez peur, vous n'aurez jamais rien dans ce pays. Voilà, donc j'espère que le message est passé et que les prochaines fois se passeront mieux que cela. Voilà. On nous a signalé des abus d'autorité dans les IEP. Les IEP, c'est les inspections de l'enseignement primaire public. On dit que l'école est gratuite, mais il se trouve qu'il y a encore des responsables d'IEP qui persécutent les directeurs d'école afin de leur verser quelque chose. Ce quelque chose-là, ils n'ont qu'à aller prendre ça où? Après, les directeurs vont fixer des montants aux élèves, on va se plaindre alors que ce n'est pas leur faute. Et si ça continue, je vais citer ces IEP. Pour le moment, je suis en train d'interpeller les directeurs régionaux, de parler à leurs inspecteurs, d'arrêter de menacer les directeurs d'école. Ce sont des fonctionnaires qui sont en train de faire leur travail. Ils ne sont pas au service des IEP. C'est plutôt les IEP qui sont à leur service par le contrôle qu'ils doivent faire de leur travail. Et ce travail-là n'a rien à faire avec des activités de corruption. Quand un IEP appelle un directeur d'école pour dire qu'il faut m'envoyer 5 000 par élève, il n'a qu'à enlever ça où? Et quand on dit par élève, c'est tous les élèves de l'établissement, du CP1 ou de la maternelle au CM2. Donc on interpelle les directeurs régionaux. Parlez à vos IEP, particulièrement la graine 1 d'Abidjan. Parlez à vos IEP. Parce que si ça continue, si on continue de me dire que les enseignants sont menacés, je vais venir les citer ici. Parce que ces directeurs-là, ils sont prêts à témoigner. Donc, parlez-leur. Et ceux qui connaissent la ministre de l'Éducation nationale, en tout cas, je lui dis Yako, parce que son secteur-là, il y a trop de problèmes là-bas. Il y a vraiment trop de problèmes là-bas. Madame le ministre, voilà ce que les IEP font. On ne sait pas si c'est en complicité avec les drains. C'est pour ça qu'on vous parle aussi. Sinon, on vient d'interpeller les drains. Donc, à bon entendeur, salut. Si ça continue là, on va venir les citer ici. Parce qu'on les connaît. Et il y a des femmes même qui font ça. C'est ce qui est honteux. Parce qu'il est connu que les femmes sont plus sérieuses dans leur travail, que les hommes sont plus honnêtes. Mais là, ces femmes même, on m'a signalé. Merci. Au lycée municipal de Port-Boué, on nous a signalé des cours de renforcement qui sont rendus obligatoires par les professeurs. Et là, on veut interpeller aussi le proviseur de cet établissement. Parce qu'il y a des parents qui peinent pour inscrire leurs enfants. Ils n'ont pas l'argent pour payer cours de renforcement. Et il y a des élèves qui sont assez studieux et intelligents pour s'en passer. Donc, on ne devrait pas obliger
les élèves à participer à des cours de renforcement qui s'élèvent à 6 000 francs par élève. Celui qui a beaucoup d'enfants, là, il fait comment? Donc, vraiment, ça, c'est un problème. Et il y a une autre école de Port-Goué, dont je tairai le nom pour l'instant, où là-bas, on dit que, hein, là-bas, là, cours de renforcement, là, c'est 10 000. Et puis, 500 francs par séance. Ça dit, le parent paye 10 000 francs par mois, il paye 500 par séance. S'il y a 4 séances dans le mois, ça fait 2 000 en plus. S'il y en a 5, ça fait 2 500 en plus. Ça là, c'est du harcèlement des parents. C'est pas normal. Ça devait être au choix. Et les gens poussent la malhonnêteté à préparer les interrogations en rapport avec le contenu des cours de renforcement. De sorte que ceux qui ne participent pas à ces cours-là soient lésés. Parce que les autres, ils parlent. Quand ils voient les sujets, ils disent « Ah, mais c'est ce qu'on avait vu au cours de renfort. » Vous voyez un peu, c'est pas bien. C'est pas votre rôle de vous adonner à ce genre de pratique-là. Des éducateurs devraient être corrects. Un enseignant est un modèle. Mais un enseignant qui persécute, un enseignant qui vole, un enseignant qui escroque, un enseignant qui fait du chantage à ses élèves n'est plus un modèle. On entend lutter pour vos primes là. Vous aussi, tenez-vous bien dans vos classes. Parce que ça là, c'est pas normal. Voilà. C'est pas parce qu'on vous soutient dans vos grèves là que si vous faites des choses qui sont pas bien, on va pas dire. Voilà. Cours de renfort là, ça doit être libre. Et ça ne doit pas être un moyen de chantage ni de persécution. Au lycée municipal Pierre Gardier de Yopougon, là-bas, on dit on vend emploi du temps. Emploi du temps, là, à notre temps, on met ça au tableau. Le premier jour de la rentrée, là, on met au tableau. Chacun prend, nous, on avait ce qu'on appelait les cahiers de texte. Chacun prend son cahier de texte et puis il écrit emploi du temps là-dedans. Et puis c'est, ça est là pour toute l'année. Là-bas, là, on dit on vend emploi du temps. On m'a même dit au bureau du proviseur. Ça, là, franchement, j'espère que c'est faux. Mais quand je dis c'est faux, je parle du bureau du proviseur. Sinon, on vend. Si c'est pour vendre, là, c'est vrai. On vend ça. Et ce n'est pas la seule école qui fait des choses comme ça. Je le dis et je le répète. Un enseignant doit être un modèle. Parce que quand vous vous comportez comme ça, là, vous êtes en train de mettre dans l'idée des élèves que tout se vend sur cette terre. Et ils vont eux aussi tout vendre, même vendre leur corps. C'est normal qu'on vende tout. Depuis quand on vend emploi du temps? Non, franchement, le pays là n'a plus de frein, hein, c'est sérieux. Bon, on va parler du problème de la fessie. Parce qu'on va parler des bourses. Dans les bourses, il y a plusieurs catégories. Les bourses des étudiants, là. Ceux qui sont en licence 1 et licence 2, c'est 240 000. Ceux qui sont en licence 3 et master 1, c'est 480 000. Et à partir du master 2 jusqu'au doctorat, c'est 600 000. Mais à côté, il y a ce qu'on appelle le secours financier. Nous, à notre temps, on appelait ça Ndaya. Ndaya parce que la femme du premier président, Félix Houphouët-Boigny, Madame Thérèse Boigny, avait une ONG qui s'appelait Ndaya pour aider, pour faire du social. Et donc, comme c'était une aide qui a été obtenue de rude lutte par la FESI qu'on est en train de cribler aujourd'hui, nous, on appelait ça Ndaya. Aujourd'hui, là, ça s'appelle secours financier. Et ça s'élève à 180 000 l'année. On paye ça en un coup. Et il y a une première vague qui a déjà été payée. La deuxième vague attend toujours. Alors que c'est pendant l'année scolaire que les bourses sont utiles. Et la FESI aussi a aussi lutté pour ça. Les bourses sont payées des fois pendant les vacances là. Grâce à la FESI, ce n'est plus ça. Mais on paye pendant l'année scolaire. Donc, ces coûts financiers, deuxième vague là, ils sont en train d'attendre leur argent. Parce que ce qui se passe en général avec ceux qui gèrent l'argent, ils prennent l'argent des gens, ils sont en fait des placements. C'est quand ils ont récupéré leurs bénéfices qu'ils donnent l'argent maintenant des autres. Pardonnez, donnez l'argent des étudiants. D'autant plus que avec cette affaire de vider les cités universitaires pour faire les réattributions, il y en a qui sont en difficulté actuellement. Voilà. Donc, je voulais profiter pour dire
que le jeudi dernier, il y a eu un Conseil national de sécurité. D'ici ce soir, je vais vous publier un entretien que nous avons eu dans le cadre de l'émission sur Reflect TV en deux news. Mais j'aimerais faire un résumé ici et maintenant pour vous dire qu'il ne faut pas vous laisser tomber dans l'émotion. Personne parmi nous n'est d'accord avec les violences en milieu universitaire. Personne parmi nous n'est d'accord avec les assassinats qui ont été perpétrés. Et nous tous voulons que les responsables de ces meurtres-là soient identifiés et sanctionnés. Mais en même temps, c'est vous qui croyez qu'on est dans un état de droit. Nous, là, on sait qu'on n'est pas dans un état de droit, mais ça ne veut pas dire qu'il faut continuer avec les mauvaises pratiques. Et les mauvaises pratiques, c'est cette tendance de notre justice à faire les choses dans la précipitation comme des amateurs. Parce que si on s'en tenait à nos textes, il y a des choses qu'on ne verrait pas. On a arrêté le SGN Sir Kambou et certains de ses camarades parce qu'on les soupçonnerait d'être à la base de ces meurtres. Ok. Mais en même temps, la présomption d'innocence qui figure dans notre code pénal devrait s'appliquer. Et cette présomption d'innocence est piétinée dans notre pays. Nous-mêmes, on en a été victimes. Donc, on les ramasse, on les met tous en prison. Alors qu'il y a certains qu'on aurait pu ne pas emprisonner, mais mettre sous contrôle judiciaire pour qu'ils soient disponibles pour les nécessités d'enquête. Ça, c'est un. Deuxièmement, à cause de ces meurtres, ils ont décidé au début de suspendre toutes les activités à caractère syndical sur le campus. C'était des mesures conservatoires, ce qui est tout à fait normal. Mais d'où vient-il que, pendant que l'instruction est en cours et qu'il n'y a pas eu de procès, on puisse décider de la dissolution de la FESI? Et avant même qu'on ait pris cette décision de dissolution, l'État s'est permis de vandaliser le siège de la FESI en le détruisant. Finalement, vous ne vous comportez pas mieux que ces étudiants que vous voulez condamner. Parce qu'il n'y avait pas de raison valable pour que ce bâtiment soit détruit. Ce bâtiment a été construit avec l'accord de l'administration. Si on ne doit plus l'utiliser à des fins de siège pour la FESI, ce n'est pas une raison pour le détruire. Ça aurait pu être transformé en amphi, ça aurait pu être transformé en restaurant, ça aurait pu être transformé en dortoir, vu les besoins manifestes des étudiants. Donc là, que le Conseil de sécurité se lève pour demander cela, moi je pense que le président aurait dû avoir l'élégance de dire on va soumettre ça en Conseil des ministres. Mais immédiatement, on donne instruction au Premier ministre Bébé Mambé de prendre des dispositions pour que cela soit fait. Ça là, c'est un abus d'autorité. Parce que il n'y a pas de raison légale valable qui justifie cette dissolution. Ce n'est pas parce que dans un texte très contestable qu'est l'ordonnance contre la société civile où il y a un article 22 qui dit qu'on peut dissoudre une organisation en conseil des ministres qu'il va falloir le faire de façon abusive. Qu'est-ce qui sous-tend cette décision de façon légale? Est-ce que la responsabilité des responsables de la FESI engage le mouvement? Non. Ça là, c'est pas moi qui ai écrit code pénal là, ça est dedans. On dit que la responsabilité pénale est individuelle. C'est français, individuel. Ça veut dire que si quelqu'un dans la FESI est incriminé pour quelque chose, la FESI en tant qu'organisation, personne morale, n'est pas concernée. Donc là, vous voyez tous les biais qu'il y a dans les décisions de nos autorités. Donc, ceux qui se réjouissent de ça, là, vous allez voir. Parce qu'on a dit la FESI et les organisations à caractère syndical, sans préciser même la limite. Parce que de la FESI, on s'en va abusivement vers les autres organisations. Elles ont fait quoi? Donc personne ne doit défendre, personne ne doit plus défendre les droits des étudiants. Alors qu'il y a beaucoup de problèmes. Voilà les bourses qui ne sont pas payées.
Les chambres ne sont pas suffisantes. Il y a beaucoup de problèmes. Personne ne doit parler des problèmes des étudiants. Mais pourquoi? C'est une atteinte à la liberté d'association. C'est même une atteinte à la liberté syndicale. Donc, voilà ça. Nous tous, on va suivre si le gouvernement va entériner ça ou pas. Mais moi, je conseillerais au gouvernement de ne pas étendre ça à toutes les associations. Parce que déjà même là, prendre cette décision pour la FECI, c'est déjà une injustice. Maintenant, étendre à toutes les associations, ça n'a même plus de nom. Parce que ce n'est pas normal, c'est gravement pas normal. Donc, voilà un peu de réserve, je pense, dans l'analyse de cette situation, parce qu'on n'a pas encore les résultats de l'enquête. Donc vraiment, Yako, à tous les étudiants, Yako, à toutes ces organisations, mais sachez que vous pouvez porter plainte, vous avez des recours administratifs contre une telle décision qui est anticonstitutionnelle, contre une telle décision qui est une atteinte à vos libertés. Donc toutes les associations qu'on a ajoutées sur la FECI, là, même la FECI elle-même peut aller se plaindre. Parce que la FECI a fait quoi? Si des éléments de la FECI ont fait quelque chose, ce n'est pas la FECI. Donc préparez-vous à saisir le Conseil d'État pour dénoncer cette décision qui est anticonstitutionnelle. Et comme elle est anticonstitutionnelle, normalement même là, le Conseil constitutionnel aussi peut être saisi. Même si on sait que c'est les mêmes là, mais des fois le Conseil d'État fait son travail. Donc vraiment, faites ce qu'il y a à faire, ne vous laissez pas intimider parce que ce n'est pas normal. Voilà. On a parlé des paysans de Mans. Ce matin, on m'a envoyé une vidéo où les villageois de Zagoué village, à 10 km de Mans, sont en train de travailler eux-mêmes à arranger leur route. Ça là, c'est le travail de Conseil Café Cacao. Quand on parle ici toujours là, vous pensez que nous on est contre quelqu'un? On n'a même pas le temps pour les individus. Ils sont petits devant les problèmes de tous les Ivoiriens. On n'a même pas ce temps là. Nous on dit que tous ceux qui ont un petit pouvoir de gouvernance, de gestion là, ils n'ont qu'à bien faire. C'est tout ce que nous on demande. Tu es président ou tu es le dernier des je ne sais pas qui. Pourvu que tu aies un petit pouvoir là, il faut le faire selon les principes. C'est ça qui nous intéresse. Donc Conseil Café Cacao là, c'est leur rôle d'arranger les pistes rurales. Ils ne le font pas. Et c'est ça qui ouvre la porte aux abus contre les paysans. Parce que celui qui a pris sa kia pour se dérouler, débrouiller pour arriver bon champ là, lui, il donne le prix que lui veut. Si tu ne veux pas là, il laisse pour toi, il s'en prend pour quelqu'un d'autre. Mais en même temps, les paysans nous signalent, et je vais vous publier la vidéo d'ici demain matin. Les paysans nous signalent que la campagne qui a commencé là est lente. Parce que le Conseil Café Cacao n'a rien donné aux coopératives. Ça dit qu'on vous donne l'argent des paysans pour gérer ça pour eux. Vous ne faites rien pour eux et vous prenez pour faire autre chose. Il y a un problème. Après, on s'étonne que les gens prennent le cacao ivoirien pour aller vendre ça ailleurs. L'année passée, c'était 40 tonnes. Cette année, on dit que c'est 1000 tonnes. Vous voyez un peu le mal-être des paysans. Donc, je ne vais pas trop parler sur cette question. On dit que l'eau la plus fraîche est celle qui sort de la bouche du poisson. Je vais vous publier cette vidéo et je vous conseille tous les lundis, pour ceux qui s'intéressent au problème des paysans, d'aller sur la page de la CONASACI où le président de la CONASACI, M. Marcel Tia, un des rares dignes syndicalistes qui existent encore, expose tous les lundis sur un pan des problèmes des paysans. Donc je vais vous partager cette vidéo. Donc, je ne m'attarde pas sur ce problème. On va parler de la révision de la liste électorale. C'est ce qui est l'actualité. Il est important de savoir que le programme de révision de la liste électorale s'étend jusqu'en juin 2025. Ça veut dire que c'est en juin 2025 que la liste définitive va être publiée selon le calendrier de la CEI. Vous voyez, c'est pour ça qu'on demandait depuis là que la CEI publie tout son calendrier jusqu'à l'élection. Au moins qu'on sache. Parce que là, quand révision de la liste électorale de 2024 finit en 2025, là, c'est une façon indirecte de vous dire qu'il n'y aura pas de révision de la liste électorale en 2025. Et pour 2 ans, on nous donne seulement 3 semaines de période de révision. Pour 2 ans, on nous donne seulement 3 semaines. Vous voyez?
Ça là, on appelle ça foutaise. Parce que l'article 6 du code électoral dit que la révision doit être annuelle. Au nom de quoi la CEI peut se permettre de façon unilatérale de faire un programme qui nous donne une seule révision pour les deux années et de surcroît sur une période de 3 semaines. Au nom de quoi? Et c'est pour ça qu'on vous parle de solidarité dans les revendications. On avait dit de mettre la période là, jusqu'en juillet, quand on a fait notre dernier, comment on appelle ça, notre journée de consultation populaire. Mais après, ce n'était pas très réaliste parce que après la révision, il y a d'autres étapes jusqu'en octobre. Donc, on a dit, bon, mettez au moins jusqu'au 31 mars. Quand c'est comme ça là, on sait qu'on a vraiment pris le temps. Donc là, je parle à tous ceux qui communiquent sur cette affaire là. Dénoncer le fait que, de façon unilatérale, la CEI décide de faire la révision à cheval sur 2 années. Et vous allez voir que leur budget ne va quand même pas changer. Chaque année, ça augmente. Ils savent ce qu'ils font avec. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est par rapport aux pièces. Les pièces qu'on utilise pour se faire enrôler. Ces pièces-là, ce sont des pièces qui sont importantes. Dieu merci, on a tellement décrié le fait qu'il est difficile d'obtenir la CNI, qu'ils ont dit qu'on peut prendre les récépissés, on peut prendre le certificat de nationalité qui est rendu gratuit. Mais pour la période, la rendez tout gratuit. Figurez-vous que, parce que certains ont besoin du certificat de résidence pour le changement de lieu de vote, il y a des commissariats qui se permettent d'augmenter le prix de ce certificat de résidence. Plus particulièrement le commissariat de Deyewaf. Ils font ça à 2500. Le certificat de résidence est à 2000. Mais quand tu arrives, lundi, tu payes 500 d'abord. Vous tous qui escroquez les populations, là, vous serez exposés ici. Parce que moi, si ça vient là, je vais dire. On dit quand tu arrives, tu payes 500 d'abord avant même qu'on te reçoive. C'est après maintenant tu t'en payes les 2000. Ça veut dire quoi? Mais quand on donne 3 semaines pour 2 années, mais on devrait rendre tout gratuit. Et l'extrait de naissance et le certificat. Pas le certificat de nationalité, ça a l'extrait de naissance en fait. L'extrait de naissance devait être gratuit. Tout comme le certificat de nationalité, le certificat de résidence, tout ce qu'on demande, même les actes de décès dans la période là, ça doit être gratuit pour aller faire radiation des personnes décédées. En tout cas, nous, notre rôle, c'est de signaler ce qui ne va pas. Allez dire au DG de la police qu'il y a des commissariats où c'est 2500. Vous qui parlez avec le président de la CEI, là, allez lui dire qu'il y a des commissariats où le certificat de résidence est devenu 2500 à cause de la révision de la liste électorale. En Côte d'Ivoire, ici, on profite de tout pour escroquer les populations ou les persécuter. Vraiment, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et ce sur quoi je voudrais maintenant insister, c'est la révision de la liste électorale. On vous demande pardon. Si tu as ton enfant qui a 18 ans avant le 1er mars 2007, qui est né avant le 1er mars 2007, il faut lui demander d'aller s'inscrire. On est là, on parle là. Le changement là, c'est dans les urnes. Le changement, c'est dans les urnes. Taux d'abstention élevé qui augmente là. Allez vous inscrire et votons. Tu ne t'inscris pas, tu ne votes pas, les autres décident pour toi. Quand la gouvernance est mauvaise, il ne faut pas te plaindre. Parce que tu as laissé les autres décider pour toi. Donc pardonnez. Les anciens, allez vérifier si vous avez votre nom sur la liste électorale. Allez vérifier si vous êtes dans le même bureau de vote. Parce que il y a des gens qui vérifient leur nom, ils ne vérifient pas bureau de vote. Et puis après, ils ont la surprise, le jour du vote, d'aller dans leur bureau de vote. Et puis, ce n'est pas là-bas leur nom est. Ils ne savent même pas où le nom là est. Ça existe au... J'ai vu ça moi-même, élection de 2023, là, j'ai vu ça à Cocody. Donc, pardonnez, vérifiez tout ça pour être à l'abri de surprises. Et si vous voyez que c'est bizarre là, changez de lieu de vote en même temps. Changez. Ça c'est un. Deuxièmement, les nouveaux majeurs. Je m'adresse à tous nos enfants. Pardonnez, vous n'êtes pas des enfants.
parce que vous savez réfléchir et vous êtes capable de faire des choix. Donc pardonnez, inscrivez-vous. Si vos parents ne vous donnent pas les moyens là, pardonnez, demandez leur pardon, allez voir un tonton, une tantie, allez faire certificat de nationalité là, c'est gratuit pour vous inscrire sur la liste électorale. Et il y a quoi au nouveau majeur de 2025 que la CEI exclut volontairement. Parce qu'on dit ceux qui sont nés avant, au plus tard, en mars 2007, là, on devait dire au plus tard en octobre 2007, puisque vous savez que vous faites ça à cheval sur 2 ans. Et ceux qui auront 18 ans après mars, ils sont exclus alors que l'élection a lieu en octobre et que c'est vous qui n'avez pas fait de révision en 2025. C'est de l'exclusion. Et ce n'est pas bien. Donc je relève tout ça pour que chacun puisse en parler. Cette CEI est un problème, on doit la changer, elle n'est pas indépendante. Vous avez vu, non? Quand le communiqué de révision là est sorti, on a mis quoi dessus? Le gouvernement a décidé, ils n'ont pas honte. Donc parfois même eux-mêmes ils s'exposent. On dit le gouvernement a décidé, on n'a pas dit la CEI a décidé. Mais la CEI n'est pas créée pour que le gouvernement décide à sa place. Donc vraiment, pardonnez, portons cette lutte-là, nous tous. Parce que c'est nous tous qui en pâtissons et ce n'est pas normal. Rien ne nous oblige à accepter ce genre de choses. Donc, conclusion là, on doit changer la CEI. Et d'ailleurs, même son mandat expire. Ils l'ont créé en 2019, c'est pour 6 ans. Son mandat expire. Son mandat expire en 2025. Bon, nous allons avancer. Vous savez qu'on est dans le pays où les autorités sont méprisantes. Elles prennent des décisions ou des corporations sans consulter les acteurs de ces corporations. Et ça, c'est généralisé à tous les domaines. Je vous mets au défi de me donner un seul domaine où on associe les gens sans qu'ils n'aient fait grève. Ils sont dans leur bureau et puis ils prennent des décisions. Mais ce n'est pas ça votre rôle. Vous êtes au service des populations. À partir du moment où vous êtes au service des populations, vous ne pouvez pas décider pour nous sans nous. Un truc qui concerne les commerçants, vous consultez les commerçants. Et là, je veux parler de la société civile. Vous résumez encore cette affaire d'ordonnance, on se plaint là. Mais vous savez, malheureusement, et c'est comme ça dans tous les contextes, il y a des gens qui travaillent contre leur propre intérêt. Pendant que les enseignants demandent prime trimestrielle, il y a d'autres enseignants qui combattent ces syndicats-là. Donc pendant que nous on dit, et ce qui est normal, ce qui est constitutionnel, que la société civile devait avoir une loi, il y avait une loi qui était en cours d'élaboration, avec la consultation de tous les acteurs, dont nous-mêmes, on met fin à ça, on prend une ordonnance. Dans le fond comme dans la forme, c'est un problème. Et maintenant, au lieu de nous écouter, les gens s'en vont faire atelier à Bassam, dit-on, pour s'approprier et l'ordonnance et ses textes d'application. Ça veut dire qu'eux, ils avancent quand même. Mais dans le mauvais sens. Et ce n'est pas ça la bonne gouvernance. Donc nous allons faire encore une conférence aujourd'hui, tout à l'heure, à 13h. C'est pour ça que j'ai mis le direct à 7h là. Donc je vous prie de suivre la conférence sur ma page en direct. Et après, évidemment, on va partager aussi le texte pour que vous-même, vous puissiez voir ce qui se passe. Des gens qui ne sont même pas capables de bien définir ONG, je vous assure, ça fait pitié. Donc imaginez le reste. Donc on espère que le ministre de l'Intérieur, qui a été induit en erreur par ses mauvais conseillers, va écouter ce que nous on dit pour dire, bon, ceux-là, il faut que je les appelle au moins pour les écouter. C'est de la sagesse que de le faire. C'est de la sagesse que de le faire. Après, vous décidez en toute liberté. Mais ne pas accepter de nous recevoir et de poursuivre dans le mauvais chemin, ça fait pitié. Et ce n'est pas à votre honneur. Ce qui est sur nous là, on va lutter jusqu'au bout. Comme vous pensez que vous êtes trop fort, vous pouvez faire ce que vous voulez, je vous informe que vous ne savez pas tout. Et que nous qui sommes faibles là, il y a des boutons qu'on peut appuyer et puis ça va vous faire très mal. Donc respectons-nous, écoutons-nous dans l'intérêt supérieur de notre pays. Voilà. Donc, je vais terminer avec nos annonces. On a dit qu'on était en train de faire des cotisations pour notre siège. Et ces cotisations-là, on a donné des montants.
il y aura un moment où on va faire le point. Ce n'est pas forcé d'être membre de ACI. C'est depuis le mois d'août qu'on a lancé cette cotisation. On a dit les membres du conseil d'administration, 25 000. Les conseillers de la présidence et la direction exécutive, 20 000. Les responsables de brigade, 15 000. Et les autres membres, au moins 11 000. En tout cas, on a dit plus de 10 000. C'est une décision qu'on a prise ensemble. On n'a pas imposé ça à quelqu'un. Et quand on est membre d'une association, on se plie à la discipline de cette association. Et quand on ne peut pas payer pour une raison ou pour une autre, on s'explique là-dessus et on avance. Mais ceux qui ne payent pas, et puis ils ne disent rien, et puis ils sont dans leur coin là. J'ai déjà connu deux dissidences, donc ça là, ça ne me fait pas peur. Hein. Je vous dis ça en même temps. Ça ne me fait pas peur. D'ailleurs, même on s'en porte mieux et on avance bien. Donc, pardonnez. Vous avez vu ce qu'on fait, ça vous plaît, vous êtes venus. Soyons solidaires et avançons dans la ligne que nous nous sommes donnée. Nous, là, on n'a pas subvention. L'État ne nous donne pas subvention. Les partenaires techniques et financiers qui sont collés à l'État ne nous donnent pas subvention. Donc, nous, là, on transpire. C'est les citoyens conscients qui n'ont pas de gros moyens, mais qui savent ce qu'on fait là, qui savent l'intérêt de ce qu'on fait, qui nous aident. Donc, aidons-nous à avancer. Donc, on veut dire merci à tous ceux qui ne sont pas membres de ACI et qui cotisent quand même. Je répète le numéro, c'est le 07 87 211 777. 07 87 211 777, c'est là. On vient d'écouter la vidéo de Pilchering Ballet et ce qui nous va nous intéresser, c'est cette partie de la fessie, encore une fois de plus. Nous l'avons déjà dit mille et une fois, la fessie a été dissoute, vous le savez tous. Et c'est dommage. J'ai même vu des petites interviews dans la rue où des journalistes posent des questions aux étudiants et certains étudiants disent qu'ils sont d'accord et d'autres ne sont pas d'accord. Voyez-vous, j'ai souvent l'habitude de dire que je ne comprends pas. Certaines personnes les envoient à l'école, et tu as l'impression que c'est souvent un gaspillage financier inutile qui ne sert absolument à rien. Quand on va à l'école, on n'est pas censé être un suiveur et ni faire du suivisme moutonnier. On est censé comprendre, discerner les choses avant de donner des positions. Est-ce que les étudiants aujourd'hui sont conscients que la FESI était là pour se battre pour eux? Est-ce qu'ils savent aujourd'hui que sans la FESI, leurs revendications ne passeront plus? Est-ce qu'ils savent aujourd'hui que si la FESI a été dissoute, c'est justement parce que c'est un syndicat qui faisait peur au gouvernement en place. Est-ce qu'ils le savent? Ça veut dire, ces étudiants aujourd'hui qui sont contents de voir que la FESI est dissoute, est-ce que vous savez le prix que vous pouvez en payer derrière? Donc souvent, je me pose la question. On vient dissoudre un syndicat qui se bat pour vos intérêts, pour votre bien, pour le bien de l'enseignement, pour le bien des élèves, des étudiants et tout. Ça ne devrait pas aujourd'hui être la chose qui fait, en tout cas, chez les étudiants, ça devait être une chose qui devait désespérer tout le monde. Tout le monde devait être unanime que la dissolution de la FESI n'est pas la solution. Surtout que la faute qui a été commise est une faute pénale. Voyez-vous? Et pour cette faute pénale, on a arrêté le concerné et ses complices, selon ceux qui les arrêtent. Je dis bien selon, parce que je ne sais pas. On l'a arrêté, il faut donner un jugement. Il n'a même pas encore subi un jugement. On l'a mis à même le sol avec ses camarades et on les a fouettés comme des enfants. C'est-à-dire, nous sommes à quelle époque, même si quelqu'un est criminel, il n'y a pas encore une loi en Côte d'Ivoire qui dit que quand on arrête un criminel, la police même, la justice même, doit mettre ce criminel à plat le sol et commencer à frapper sur lui. Non, il mérite un jugement. Et quand tout sera prouvé, il mérite une condamnation. Si c'est une condamnation à fouet, bah, faites sortir la loi et vous... Mais humilier des gens comme ça, juste pour votre propre bonheur, ce n'est pas cool. Surtout que quand on accuse une personne, tant qu'on ne l'a pas encore prouvé devant les tribunaux, il n'y a aucune présomption d'innocence. Et donc, le monsieur peut être innocent. La team, vous devez savoir une chose. Le RHDP a fabriqué cette histoire de longue haleine du début à la fin. Et ils n'ont pas hésité sur les moyens jusqu'à aller tuer quelqu'un pour trouver un bon alibi pour en finir avec la FESI. La FESI n'était pas si bête que ça pour faire ce genre de choses. C'est mal choisi. Si la personne a été tuée, je peux vous dire avec sincérité que c'est le RHDP qui est responsable de ça. Ce n'est pas ceux qui sont en train d'accuser là.
Ou alors, il y a pas mal de choses qu'on ne connaît pas dans cette affaire, mais ne donnez surtout pas raison à ce gouvernement. Parce que quand vous les voyez dissoudre quelque chose, ça veut dire qu'ils savent que cette chose-là peut les faire très mal.